J'ai vu Luke Cage, les gens. Are you ready to hold my hammer? I can hold. Il m'a parlé, genre, c'était trop stylé. Ah, you're too high, man. Have a nice day. J'ai vu l'acteur de Luke Cage, sa race. Parlez Dieu, c'est tard pour vous parler, j'espère que mes dieux et déesses vont bien et que la foudre coule dans vos veines. Et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog que je vais faire sur tout le week-end. Donc là je vais m'entraîner avec Gros Gifit, je pars tout de suite. Ce soir on se fait un sushi avec lui et sa chérie. Et demain matin je rejoins Aladdin à la grande halle de la Villette parce qu'on va à Comic-Con et je serai déguisé en Thor. Ça va être des grosses barres, je vous emmène avec moi pendant tout ce week-end. Allez c'est parti. Ok les gens, on vient d'arriver du coup dans la banlieue de Groggy. Et là normalement il y a sa salle de sport qui est juste ici. Hop, là on est arrivé. Bon là on l'attend, je sais pas où il est. Il est censé arriver, je suis censé le rejoindre devant la salle de sport. On va voir ça tout de suite. Down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Mon Groggy est arrivé, mais en mode voiture de course, quoi. La classe, sa petite mini. Ça c'est pas trop long, Humeur. Non, ça va, tranquille. On vient de joindre Groggy. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça va. On va faire un gros pec épaule. Enfin, lui il fait un push pull legs. Aujourd'hui, il fait un push. Ouais, ça va être push. Moi, je vais l'accompagner sur les épaules et les pecs, mais on va faire ça. Je vais montrer un peu sa salle. Since sixth grade, man, I swear I've been a savage. If I needed a coat, then I'd probably go and jack it. Smoking every day, but I had to break the habit. Now I'm rapping, snapping, leaving these beats in the casket. My best buds, yeah, they got the best bud. Play my shit up in the party, cause they know I'm next up. I see the feds come, and they see them legs run. See me leaving with the bitch, and then I get them legs up. It ain't nothing to me, Brody, homie, you could come and check me. If rapping was a sport, then I would probably win an ESPY. I'm raising it up, cause I got bars like Nestle. Hey, here's a pop quiz, would these rappers ever test me? If you with it, come and get it. Yeah, I don't play these games no more. If you want it, jump on it. Yeah, we go big or we go home. If you with it, come and get it. Yeah, I don't play these games no more. If you want it, jump on it. Yeah, we go big or we go home. Bad bitches in the club, they got their hands up. And dudes still sagging, man, they need to get their pants up. All these rappers talk is lean in the Phantom. But this one for my rock stars trying to get their bands up. This a message and a lesson to these rappers. There's a lot of shit to talk about, we all know you a trapper. Cause I'm the smartest artist, slowly turning to a master. I just need that green on me like I'm playing for the Packers. I used to chase pussy, but now I chase cash. Cause the mouse gets the cheese, we don't stretch the stray cats. She said I'm a dick, but I just stay facts. Girl, you know the deal, it's not to stay back. If you with it, come and get it. Yeah, I don't play these games no more. If you want it, jump on it. Yeah, we go big or we go home. If you with it, come and get it. Yeah, I don't play these games no more. If you want it, jump on it. Yeah, we go big or we go home. If you with it, come and get it. Yeah, I don't play these games no more. If you want it, jump on it. Yeah, we go big or we go home. If you with it, come and get it. Yeah, I don't play these games no more. If you want it, jump on it.
grade, man, I swear I've been a savage. If I needed a coat, then I'd probably go and jack it. Smoking every day, but I had to break the habit. Now I'm rapping, snapping, leaving these beats in the casket. My best buds, yeah, they got the best bud. Play my shit up in the party, cause they know I'm next up. I see the feds come, and they see them legs run. See me leaving with the bitch, and then I get them legs up. It ain't nothing to me, Brody, homie, you could come and check me. If rapping was a sport, then I would probably win an ESPY. I'm raising it up, cause I got bars like Nestle. Ay, here's a pop quiz, will these rappers ever test me? If you with it, come and get it. Yeah, I don't play these games no more. If you want it, jump on it. Yeah, we go big or we go home. If you with it, come and get it. Yeah, I don't play these games no more. If you want it, jump on it. Yeah, we go big or we go home. Bad bitches in the club, they got their hands up. And dudes still sagging, man, they need to get their pants up. All these rappers talk is lean in the Fanta, but this one for my rock stars trying to get their bands up. This a message and a lesson to these rappers. There's a lot of shit to talk about. We all know you a trapper. Les vacances là, tout ça. Moi je connais plus les vacances, frère. Bon, on vient de terminer le training. Bon, c'était pas ce que tu fais d'habitude, hein. Je l'ai un peu fait chier, genre. Non, pas fait chier, mais. Je l'ai sorti de les plus speed d'habitude. Et là, on bouge à Boulogne. On rejoint Clem, qui était une formation. Et petit sushi tranquille. La voiture du futur. Je kiffe le tableau de bord, mec. Ouais, il est cool. Ouais. Yeah, I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Bon, là on est au sushi. D'après Woogie, c'est pas un vrai cheat. Bon appétit. Bon appétit. Je ne comprenais pas ma diète en fait. Je n'arrive pas à manger avec ces couverts. C'est lui avec les couverts. Bon. Oh, je vais rentrer chez moi. Au revoir Clem. Oui. T'as froid? Oui, je suis amie surprise. On va laisser rentrer tranquillement. Ah ouais. On va retourner à la voiture avec Brody, prendre mon sac. Rentre bien. Oui. Ça m'a fait plaisir de te voir avec Guillaume. Beaucoup, beaucoup. Et puis la prochaine, cool, on se voit mercredi. Ouais. Et on se fait une super vidéo. Allez, à plus. Bon, je viens de quitter Guillaume. Là, je rentre à l'appart. Et on va aller se reposer. On va essayer de bien dormir cette nuit. Parce que demain, c'est Comic-Con. Je sais pas à quelle heure je vais me lever. Je crois que je vais me lever vers 7-8 heures. Et demain, je rejoins Aladdin. Et avant de partir, il faudra que je me mette mon costume de Thor. Ça va être un bordel. Et je rejoins Aladdin, la grande halle de la Villette, pour Comic-Con. En attendant, on rentre à l'appart et on va faire un gros dodo. À demain la team. Ok des gens, deuxième jour, je viens de me réveiller. Il est 8h30 du matin. La petite vue sur mon petit appart. Et là, il faut que je m'habille. Il faut que je prenne mon petit déj et que je rejoigne Aladdin à 11h à la grande halle de la Villette. Pour Comic-Con, il faut que j'enfile ce truc là, les gens. Oh là là, faut que j'enfile ça, les gens. Avec une perruque, enfin, c'est n'importe quoi. Allez, go, on prend le petit déjeuner, on y va. Something is wrong with the way, and I don't know why. Ok les gens, c'est n'importe quoi là, je vais partir de chez moi. Ça y est, je suis habillé, j'ai ma perruque, j'ai mon marteau. J'ai galéré de ouf, genre j'ai été obligé de prendre une mini tacoche que je prends à mon panier pour mettre à mon poignet pour mettre mes clés, mon portable et tout. Enfin, n'importe quoi, j'avais même pas réfléchi à ça. Enfin bref, let's go, c'est parti, on y va. Non mais regardez les gens, je suis habillé comme ça dans la rue là. Heureusement je vais vite courir, histoire qu'on essaye de pas trop me voir dans la rue habillé comme ça. Parce que quand t'arrives près de Comic-Con et que t'es déguisé, ça va, ça passe.
mais quand t'es dans la rue, genre pas du tout à côté d'un événement où les gens sont déguisés, là tu passes juste pour un mec bizarre en fait. Bon les gens, j'arrive à Comic-Con mais il faut quand même que j'aille bouffer un grec après, donc je vais retirer de la thune. Ça marche pas! Putain, t'aurais pas content! Putain, vas-y, me casse! Et les gens, c'est n'importe quoi, je vois rien du tout! Putain, maté! Je vois rien du tout, wesh! Ah oh, putain, le Thor L'Oréal de merde! Bon, je viens d'arriver! Hey! Tu vas bien? C'est un bordel. Le mec a pris le Uber comme ça, quoi. Ouais, le bar, il s'est tapé des grosses barres. Mais regardez, je ressemble vraiment à une Tarlouse, genre. Genre le Thor de Lidl. Avec la perruque de merde, genre. Mais vas-y, on donne tout quand même, on se balade. Il est comme un enfant, Aladdin. Regardez, ouais. Comme un gamin. J'ai envie de tout acheter. On va acheter tous les t-shirts. Et les gens, ils essayent de me voler la vedette. Genre, je suis un petit peu plus vrai que lui quand même, hein. Moi aussi je veux Chris Hemsworth dans mon salon. Moi je veux le Iron Man, il est trop fou. Ah, il est content. Ok les gens, là on est arrivé avec Aladdin à l'endroit genre il faut pas genre. C'est pas bien du tout. Mais si regarde, t'as des protéines. Putain, c'est tous les produits ricains genre. Oh, oh le cheese comme ça là. Oh, c'est... Oh là là les gens, cheat meal. I'll be back. Il a perdu des bras un peu, enfin il a perdu les jambes, le corps aussi.
But you wanted to hold my hammer. I can't lift it. You're too high, man. Have a nice day. Oh mec, t'as pris des bras un peu hein. Ouais c'est bien, t'as fait de la muscu. Ok les gens, donc Thor est à Comic Con et je peux pas voilà, être déguisé en Thor et ne pas faire une petite série de pompes. Bonne série hein. Bonne série. J'ai commencé mon vlog en même temps qu'Aladin. Désolé mec. Bon là on vient de quitter Comic Con avec Aladin. Lui est en train de vlogger de son côté derrière. Et puis on rentre tranquillement. Là on va aller manger un truc. Genre c'est cool, j'ai des gens qui ont fait des photos avec moi, mais pas du tout à cause de ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit, mais juste parce que genre je suis déguisé en Thor. Et c'était vraiment trop cool, il y avait des petits garçons déguisés en Iron Man et tout qui voulaient faire des photos avec moi. Franchement c'était des grosses barres. Putain mais ça va, ça envoie hein. Eh, je vous donne tout hein, la team, faut regarder. Comme la coupe de cheveux et tout. Et franchement c'était bien drôle. À un moment donné, une journaliste qui a demandé à Aladin qu'il lui montre ses muscles, genre, aucun respect. Et voilà, on s'est bien baladé, on est bien resté genre 3 ou 4 heures. Et puis voilà, là je vais rentrer tranquillement chez moi, je vais prendre un Uber parce que c'est mort, je prends pas le métro déguisé comme ça. Et puis voilà, on a vu plein de gens, on a vu des cosplays, j'ai vu Luke Cage les gens, j'ai vu l'acteur de Luke Cage, sa race. Et Aladin il va me filer un rush, genre, il m'a parlé genre, c'était trop stylé. Je suis trop content. Donc voilà, on rentre tranquille. C'était un bon Comic Con. Et voilà. Une photo ? Oui, allez. Je me mets avec toi. Est-ce que tu veux tenir le marteau ? Tu veux tenir le marteau ? Ah, tu veux le tenir ? Ah, c'est génial. Alors, qu'est-ce que tu es fort ! Tu tiens le marteau ! Waouh ! Moi, je regarde ta main. Super. Merci beaucoup. T'es trop fort. T'as réussi à tenir le marteau. Merci à Thor. Bonne journée. Bonjour, je vais prendre un grec salade tomate oignon s'il vous plaît, avec ketchup mayo comme ceci. Et oui, désolé, j'ai envoyé un snap. Bon, les gens, on est au grec là. Est-ce que vous avez vu Avengers ou pas? Vous avez vu la fin de Avengers? Bah ouais, le super héros il bouffe aussi. Attends, t'as fait quoi? Moi j'ai la dalle, les gangs. Ok les gens, c'est la fin de ce vlog. Thor est rentré à l'appart. Comic Con, c'était vraiment une dinguerie. J'ai passé un super moment avec Aladin. Voilà, les gens, ils ont fait des photos. Franchement, c'était trop drôle. J'espère que ça vous avez fait kiffer que je vous emmène avec moi pendant ces deux jours, pendant ce week-end. Voilà, c'est la fin de ce vlog. N'hésitez pas à le partager, à lâcher un pouce bleu. Ça m'aide vraiment beaucoup, le pouce bleu. Et à lâcher un petit commentaire. Et comme d'hab, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux qu'il y aura juste après, à la fin de la vidéo. Et par les dieux, souvenez-vous que Thor... Et toujours fier de vous, ne l'oublie pas. Salut la team.